à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016. Une autre confirmation ce matin, celle de la mort du chef d'Al-Qaïda au Yémen, Nasser El-Weishi, tué par une frappe de drone américain la semaine dernière. C'était le numéro 2 de l'organisation dans le monde et c'est son groupe qui avait apporté son soutien au frère Washi pour la préparation de l'attaque de Charlie Hebdo. On savait que la foi pouvait faire déplacer des montagnes, les séismes aussi, et c'est l'Institut chinois de géologie qui vient de le confirmer. Il a remarqué que le sommet de l'Everest s'est déplacé depuis le séisme du 25 avril dernier au Népal. Un déplacement, et c'est ce qui est surprenant, dans le sens contraire de la poussée du tremblement de terre. Pour tout comprendre, direction Pékin avec les explications de Philippe Chrétien.